Deux remarques concernant cette décision modificative intermédiaire quant à l'exécution de notre exercice budgétaire. Il a été dit la possible évolution des droits de mutation à titre onéreux. Je constate l'extrême prudence qui a été prise, pour ne pas dire une prudence excessive, parce que parier sur une diminution de 24 millions d'euros, c'est-à-dire d'un rendement d'un quart, c'est beaucoup, compte tenu du fait que, à mi-juin, me semble-t-il, ou au mois de juin, mois dernier, nous étions à peu près étal par rapport à l'année précédente. Ce qui signifierait que, imaginer une diminution de 24 millions équivaudrait à avoir s'effondrer de 50% les droits de mutation de la deuxième partie de l'exercice 2020. Donc, je crois qu'il y a là une prudence qui me paraît un peu forte. Et puis, il a été précisé effectivement que la répercussion quant à la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises se ferait plus volontiers sur les exercices à venir, c'est-à-dire 2021 et 2022. Et là, je partage pleinement. Pour aller dans le sens des propos que je tenais ce matin, nous avons là la preuve que cet impôt qui fait suite à un impôt de stock qui était la taxe professionnelle considère les périodes de crise et de moindre création de richesse dans un territoire. Et que donc les budgets vont déjà devoir absorber cette diminution, cette minoration. Quant à vouloir supprimer des pans ou des parts entières de la cotisation à la valeur ajoutée, voilà, c'est pour moi une vraie interrogation qui se pose en tout cas au niveau national, mais dont nous pourrions être malheureusement les victimes. Voilà les deux points que je voulais souligner. Sur le premier point, M. Greffet,